Qu'est-ce qui se cache dans mon panier? Alors, pour commencer, on a les empanadas de la Diabla. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, on verra plus tard. Des filets de turbo. Enfin. Plein de choses. Du jus de pomme. Du lait des barils du patrimoine. Ça, ça me semble être la viande de cerf, elle est surgelée. Des saucisses. Du poulet. Des viandes biologiques de Charlevoix. Plein de petits yogourts. Un fromage. Un gris des champs. Du bacon! Oui, ça, c'est les yogourts. Des beurrés du patrimoine aussi, on a une variété de saveurs. Bon, excusez le flou. Les œufs qui viennent d'un petit producteur m'a dit: ah, la madame, elle les trie pas, elle dit: ça vient de mes poules, voilà. Donc, je sais pas trop. Ah, c'est super le fun. Il y a plein de couleurs. Une belle variété. Les tomates. Plein de poireaux. Ça sert à la soupe. Un deuxième pain. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Des tomates. Ah, ça, c'est le trio de roquettes, betteraves, coriandre. C'est des micro-pousses. C'est pas disponible à la vente à part avec des restaurateurs. Donc, une petite exclusivité ici. Le mesclun diabolique. Je crois que c'est le mesclun diabolique qui est exclusif. Des choux de Bruxelles. Ils sont très beaux, ils sont petits. Du raisin. Un faux sac de poire. Des piments en bois. What? Ah, une petite pâte de fruits. Je crois que ça vient de chez Rhubarbe. Patrie Rhubarbe, oui, c'est ça. Et une aubergine. Pain dodu. Alors voilà. Le contenu du panier. Et un chat curieux.